Le 6 juin 2016, le Centre clinique d'assistance médicale à la procréation du CHU de Rouen inaugurait ses nouveaux locaux, situés au rez-de-chaussée du pavillon Femmes, Mères et Enfants de l'hôpital Charles-Nicolle. La prise en charge des couples infertiles est assurée depuis 30 ans au CHU, une activité qui a doublé ces 5 dernières années et qui s'est aussi diversifiée. Depuis quelques années, nous avons développé deux autres types d'activités, la préservation de la fertilité, préservation de la fertilité aussi bien dans le cancer, et on travaille beaucoup avec l'ensemble des hôpitaux de toute la région, et bien sûr le centre Henri Becquerel, avec l'aide du réseau Onco-Normand. Et puis aussi hors champ du cancer, et nous sommes un des rares centres en France à avoir mis en place la préservation de la fertilité dans l'endométriose. Plus récemment, notre dernière activité mise en place depuis novembre 2013, où nous avons eu l'agrément, c'est le don d'ovocytes. Qui est une activité qui est en constante augmentation avec beaucoup de receveuses qui souhaitent être prises en charge localement, mais aussi beaucoup de donneuses qui se proposent avec une très grande solidarité. J'avoue que c'est quelque chose qui nous a beaucoup étonnés et qui nous a tout à fait satisfaits. Et nous avons eu la joie en janvier 2016 d'avoir la naissance de notre premier bébé en don d'ovocytes, et là d'autres naissances sont attendues de façon imminente. Ce plateau technique regroupé sur un seul site répond au développement de l'activité. Rappelons que le CHU Hôpitaux de Rouen est l'un des rares centres français à proposer la préservation de la fertilité chez les patients atteints de cancer ou d'endométriose.